Carburant est terminé. Fantastique! La sauce secrète qui maintient notre pigistiqueur en forme. Et sa recette super secrète. Pas si vite, petit gars. Retour à la base! Retour à la base! Nous aurons cette recette de super carburant tôt ou tard. Pas si on n'a rien à voir avec ça, Roméo. Seulement si on peut aussi prendre le tien pour faire un tour. Idiot de pyjamasque, vous ne pourrez pas m'empêcher d'avoir cette recette de carburant. Mais vous savez quoi? Si on faisait une course pour la gagner? Une course autour de la ville. Vous trois contre mes bottes. Si je gagne, j'aurai votre recette de carburant. Mais si vous gagnez, vous pourrez reprogrammer mes bottes comme bon vous semble. Je ne suis pas si sûre. D'accord, allez les gars, on s'en occupe.
À vos marques, prêts, partez! Attention, il pourrait y avoir un obstacle sur la route. Ça va les gars? On peut y arriver! Super saut de 4! Glu-glu main collante! C'est une si belle nuit! Pourquoi ne pas prendre la route panoramique? Ce n'est pas le moment pour un bain de boue! Nous sommes indignés! C'est trop collant! Même pour moi! Ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir de là! Bibou, peux-tu utiliser ton grappin pour nous donner un coup de main? Pas de problème! Eh bien, tu n'es pas la seule à pouvoir voler, Bibou! Vous êtes en tête, mais pas pour longtemps. Boule de poil! Wouhou! Ouais! Nous avons gagné! C'est pas juste! Vous avez triché! Je veux ma revanche! Nous avons gagné loyalement. Et maintenant, à nous le prix. All right. Quelqu'un vole tout un tas de choses dans la ville. Des bancs, des tables, tout ce qui n'est pas cimenté au sol. 1000 reptiles! Qui cela pourrait-il être? Oreille de chat! C'est Nak Ninja, sans aucun doute. Bibou, peux-tu trouver où il est? Laissez-moi faire. All right! Yeah! J'ai trouvé Nak Ninja. Il est près de la mairie et on dirait qu'il construit un... énorme tas de déchets. Je suis 5 sur 5. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. Voyons ce que tu mijotes vraiment, Ninjaka. Et maintenant, la dernière pièce du puzzle. Tellement gluant, tellement poisseux, tellement... visqueux. Attends, j'ai déjà vu ça. C'est la pâte la plus visqueuse du monde. Vous ne voulez pas qu'elle atterrisse dans de mauvaises mains? Ça fait des mois que je regarde cette pâte visqueuse. Et maintenant, je peux enfin l'utiliser à bon usage. C'est le moment, tous en formation. Le super avion Night Ninja. Oh, c'est pas bon. Arrête-la, Ninjaka. Oh ouais, les petits pyjamasques. Vous arrivez juste à temps pour le premier vol de la Ninjaka Airways. Avec ça, je vais pouvoir lancer des projections gluantes dans toute la ville. Bientôt, elle sera entièrement sous mon contrôle. Bon, je vous accueillerai bien à bord, mais vous n'êtes pas les bienvenus, donc... au revoir. Nous devons l'arrêter! Pyjamasque, il est temps de combattre le feu par le feu! Ou plutôt un jet par un jet!
connectons-nous à notre Airjet 3 en 1. Cette ville va se réveiller dans une sacrée pagaille. Vous voulez jouer? Pas pour longtemps. Déployons le super filet gluant. Si gentil de votre part de rester dans les parages, les pyjamasques. Ne vous inquiétez pas, activation Jet Booster, allumage! J'ai une idée! Hé, Ninjaka, retourne-toi et affronte-nous! Un duel aérien en 1 contre 1! Où tu as trop peur? Peur? Bah! Cette chose a été faite pour le duel! Je relève le défi! Qui est la mauviette maintenant? Tu es acculé maintenant! Oh oh! Super gâchis gluant! C'était incroyable, Bibou! Eh bien, il n'y a de la place que pour un seul super jet dans le ciel. Grrr, je vous aurai, les pyjamasques! Croyez-moi! C'est quoi cette machine? Je ne suis pas sûre, mais on dirait que c'est pour... des glaces! Glace, glace, la glace, c'est la classe! Eh bien, pas pour très longtemps! J'ai tout compris! Exploiter son énergie glaciale! Je peux utiliser cette ingénieuse machine météorologique pour déclencher un hiver éternel sur toute la planète! Ensuite, tout sera sous mon contrôle! Brrr! Nous devons l'arrêter avant qu'il ne fasse disparaître l'été pour de bon. Et avant qu'il ne consomme toute cette délicieuse glace. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. Wouhou! Oh yeah! Arrête-toi là, Roméo. Nous savons ce que tu mijotes. Un peu trop tard, Yo-Yo. Ma machine est sur le point d'atteindre sa pleine puissance, et alors? Eh bien, vous feriez mieux de mettre un bonnet de laine. Ivo-Vision! Il y a un tuyau avec une ouverture. Si nous le bloquons, ça pourrait arrêter la machine. Laissez-moi faire! Boule de poil! Tu crois que cette petite boule de poil peut casser ma machine? Je l'ai eu! Hein? Bien essayé, Yo-Yo! Aspiration inversée! Oh oh! Bibou, aide la nuit! Pourquoi ne pas transformer ces boules de poils en boules de neige? Les arbondissants, attention à vous! Vos pathétiques tentatives de m'arrêter sont... eh bien, pathétiques. Lancement de la tempête d'hiver! Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous devons l'arrêter avant que cette tempête ne se propage sur toute la Terre. Attendez une seconde, ce cristal rayonnant semble exploiter l'énergie froide de la glace. Si on arrive à le déloger, on peut arrêter la machine. Il suffit juste de trouver un moyen de distraire Roméo. C'est à mon tour de briller. Glu glu reptile au camouflage. Hé, Roméo, par ici. Tu m'as raté.
Pourquoi tu bouges? Tiens, tiens-toi tranquille! Un, deux, trois, tirez! Quoi? Non! Qu'as-tu fait à ma superbe machine? Je vous aurai, les pyjamas! Wow! Joli travail, tout le monde! Et j'ai réussi à nous sauver des restes de glace. Ça vous dit une dégustation des glaces? Roméo, nous, on a un nouveau... comment il s'appelle? Extra Totem! C'est l'heure d'être de vrais héros! Serpent rompant, il y a une pince spéciale comme la tienne, Pigeon Robot! Je vais jeter un œil. Yo-yo rapido! Rien n'a été volé. Il manque juste un os de dinosaure. Mais pourquoi l'avoir laissé ici? Chut! Écoutez! Un oiseau, juste là! Qu'est-ce qu'il fait debout au milieu de la nuit? Tu veux qu'on enquête? Pas la peine. Il cherche sûrement des brindilles pour son nid. Hé, petit, cuit, cuit, cuit. Regarde ce que Sœur Céline t'apporte. Bibou, est-ce que c'est normal qu'un oiseau se lève en pleine nuit pour construire son nid? Pas vraiment, mais... Chaque chose en son temps. Occupons-nous d'abord d'attraper le voleur. J'y pense parce que Lionel est vraiment bizarre. Et il y a eu ce chat aussi. Une alerte? C'est le magasin de jouets. Allez, Pigeon Robot, on fonce! On a encore raté le voleur. Des petites voitures ont disparu de ce présentoir. Attendez, c'est quoi ça? Bork! Ça sent comme les friandises pour animaux. Cette mission est de plus en plus étrange. Une minute. Un lézard, un chat, un oiseau. Ce ne sont pas n'importe quels animaux. Ce sont nos pyjanimaux. C'est peut-être pour ça qu'ils attirent autant notre attention. Je n'arrête pas de penser à l'oiseau de tout à l'heure. Moi, je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à mon petit Lionel. Ses grands yeux,
mais j'ai aussi comme une drôle de sensation. Pardon, Pyjarobo. Et à vous aussi, les pyjamasques. Nous aussi, on vous demande pardon. On est vraiment désolés de vous avoir jugé trop vite. Ça veut dire qu'on peut continuer à être des tatous relous? Non, moi, j'abandonne. Chef de meute, c'est trop fatigant. Je sauverai le monde tout seul. T'es un loup solitaire. C'est la classe. Et les pyjamasques, le dessin de Tilou, on l'a tous signé. Merci du compliment, Roméo. Pousse-toi de mon chemin, Ninja Nigo. Laisse-moi passer, Sorcelambine. Hein? Tu ne trouves pas la pédale d'accélérateur, petit Minet? Pardon, je passe. Bonne route. Continue comme ça. Poussez-vous! On laisse passer le bus! Si vous croyez que vous allez me déconcentrer, vous... Par mes oreilles de chat! Je ne fais que passer, yo-yo l'escargot! Besoin d'aide, peut-être? Quelle bande de tricheurs! Je ne vois plus qu'une solution! Les rattraper et gagner, c'est ça? Non, je vais devoir faire la même chose qu'eux! Tricher? Tu ne peux pas! Les héros ne trichent jamais! Sers-toi de tes talents de pilote! Ce ne sera pas vraiment de la triche, je vous le promets! Hein? Oui, en fait, c'est juste un petit coup de pouce, c'est tout. Oui, c'est ça. Gluglu, tiens bien la rampe. Pourquoi tu mets la rampe ici? C'est par là-bas que les autres passent. Prête pour ton bibou tornado? Bibou tornado! Wouhou! Ouais! Wow! Raccourci! Quoi? Oh, comme j'aime me promener sur le pont de ce bateau alors qu'un petit vent souffle sur mon visage masqué. Bien que c'est juste de l'eau et pas un repère de pirates. Il n'y a pas de place pour un méchant pirate dans notre ville. C'est mon territoire. Et vous n'avez rien à faire ici, les pyjaminus. Engluez-les. Non, pas de l'eau. Est-ce que ça va? Oui, je suis à peine mouillée, merci. Ce n'était que quelques gouttes. Surtout, ne t'en fais pas. Reste à l'arrière et arrête tous les ninjas pirates qu'il restera. J'ai l'impression...
qu'une bille vous tornade approche. Bougre de ninja pirate. On navigue sur les flots le jour et la nuit. On rattrape les bateaux, jamais on ne s'ennuie. On bat les ninja pirates même quand ils grondent. On est les meilleurs pirates du monde. J'ai trouvé une rime. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font. Ils abandonnent trop facilement, c'est étrange. Oh, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire diversion. Oh non, c'est un piège. Bibou, Gluglu, n'allez pas par là. Revenez. Cette fois, je dois surmonter ma peur de l'eau. Mes amis ont besoin de moi. Les farfelous veulent toujours la même chose. Devenir tout garou, hein? En allant sur la lune! Oh non! On les a perdus! Il faut qu'on aille plus haut, on verra bien mieux! J'ai une idée! On va voler jusqu'à la lune! Hein? Vol direct pour la lune! Ils sont coincés. On peut les emmener où on veut. On peut retourner au QG, par exemple. Hé, la lune, c'est en haut. Par là. Jusqu'à la lune. C'est déjà difficile de réfléchir quand les farfelous sont dans les parages. Alors piloter, c'est encore plus dur. Ils sont vraiment déchaînés depuis que Sorceline leur a donné son aimant lune. Oui, tu as raison. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi elle leur a donné. Pigeon robot, montre-nous le musée, vite! Je me demande comment les pigeanouilles s'en sortent à courir après les farfelous. Hein? En tout cas, ça m'a laissé assez de temps pour choisir quoi voler. Je veux le musée entier! Et grâce à mon cristal de secours, je l'aurai! Elle a un cristal de secours? C'est grâce à lui qu'elle a créé la bulle dans le musée. Alors, Bibou, ton plan peut encore fonctionner maintenant? Pas du tout! Ça, je ne l'avais pas prévu. On ne peut pas toujours tout planifier. Je suis désolée, les copains. Tu n'as pas besoin de toujours tout planifier. On peut réfléchir ensemble. On forme une équipe, non? C'est vrai. Sorceline va regretter d'avoir voulu nous piéger. Hé, justement, ça me donne une idée. Moi aussi. Enfin, si ça ne te dérange pas, bien sûr. Pas du tout, voyons. Vous allez me raconter ça en chemin. Une minute, je t'envoie un peu de compagnie. Yo-yo, rapido! Cela confirme que j'ai eu une idée de génie quand j'ai décidé de construire le poulpe robot sous l'eau. Je sais que je dois y aller. Courage, Gluglu. C'est quoi cet endroit? Wow! Mille reptiles! Hé! Lâche-moi! Tout de suite! Aïe! Mon tentacule! Le souverain des eaux lui a fait bobo! Oh, mon pauvre petit robot! Voilà! Je leur ai donné une bonne leçon, hein? Oh ben si! T'as pas vu? J'ai tiré super fort sur son bras! Les tentacules de robot étaient partout. Et soudain, plus rien. Comment tu t'en es débarrassé? Je dois avouer que je l'ai pas fait exprès. Hein? Ah, tu ne pensais quand même pas que je renoncerais à mon plan à cause d'un bobo de poulpe robot? C'était juste une diversion pour voler tous vos véhicules. Et à présent que je les ai, plus rien ne peut m'empêcher de prendre votre QG! Nom d'une plume! Le poulpe robot est devenu encore plus fort! Mais ses tentacules sont encore plus longs!
grâce à tout ce qu'il a volé. Et il va se fabriquer encore plus de bras avec le QG et nos véhicules. Tout ça, c'est ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as été formidable, toi, le souverain des eaux. Dis plutôt le souverain des poules mouillées.